C'est ce qu'on va faire, on va essayer de le recharger là-bas. T'as le chargeur ? Ouais, j'ai l'impression. On va le faire. Alors, il y a du pont pour l'instant, tout le monde la trouve. Attention, dans le virage, c'est toujours un petit peu délicat. Ah, c'est bon, les premiers. Les premiers, Cédric, là ? Sur l'extérieur, et du coup, t'as les passages. Ah, bien, putain, il est bien là, ouais. Ouais, ouais, il creuse déjà les corps, ouais. Et donc voilà les gars qui reviennent face à nous, nous avons donc fait pouvoir déjà vous donner un premier classement donc sur la fin de ce premier tour avec donc toujours Cédric Camus en tête. Cédric Camus vient est à ce même seconde position pour Norbert Jarez. Donc, alors que pour l'instant, avec combien les Romains, c'est qu'ils sont bien équipés de la marche. Je vais chanter. Ah, manifestement, complètement, la région nord-est fait très très fort, puisque vous voyez comme moi, eh bien, Cédric Camus est déjà largement détaché devant à l'issue de ce second tour. Par contre, la seconde place, on est à la grosse bagarre, hein, la porte se trouve Ah, c'est bon, hein. Là, il a assuré, là. Ouais, mais en rembrasé, il a doublé Jonathan. Sous le drapeau rouge. Ah, mais c'est ça. Sous le drapeau rouge. Et il a pas été sanctionné. Non, il est rembrasé, là-bas. Bon, bien, justement, rien à faire. C'est les quatre minutes en vol. Et ça va durer jusqu'au bout. Et voilà, encore avec une avance bien conséquente à l'équipe de ce nouveau tour. Et premièrement, ce sont des rouleurs 5 tours ce matin. Nous passons à 6 tours pour les secondes manches. Avec Cédric Camus qui gère son avance maintenant. Pas sûr, mais j'achète ça au moins. Pourquoi ? Bonjour, seconde position pour pour le 71, Ludovic Gagnani, ça devient. Est-ce que ça va faire. Ouais, non. Abandon numéro 71, Ludovic Gagnani. Bon, c'est bon, hein. Wow, hop là. Le tonneau. Qu'est-ce qui s'est envolé ? Alors, en quatrième position, ça sent bien. Il est pas bien le commissaire, c'est ce qu'il a fait.